d'elle, il y a 20 communes qui sont, enfin 20 écoles de la communauté de communes qui sont concernées. Donc c'est une radio itinérante qui demande aux... Alors c'est encadré par des professeurs, hein, il y a une association qui a été créée, il y a 12 enseignants qui s'occupent donc de cette radio. Et donc ça permet aux jeunes de créer vraiment tout un programme de radio. Ils font tous les infos, des reportages. Oui, c'est des pitchouns, c'est des primaires. Oui, c'est plutôt pour les enfants, quoi. Oui, voilà. Mignon. Ah non, parce que ça parle de sujets d'actualité, hein, de sujets sérieux, et ça permet de faire le lien avec les parents, avec ils interpellent les locaux. Enfin non, c'est une vraie radio qui est faite par des enfants, pas pour des enfants. Et alors, comment on l'écoute, cette radio? Eh ben pareil, on se branche sur Internet. Radio Andenne. On se connecte. On se connecte. On se connecte. Non, c'est Lily. Il faut savoir que chez Lily, pour se mettre sur Internet, il y a une turbine centrale nucléaire avec deux boutons. Et ça fait encore bzz, 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 le vieux bruit, tu sais, que faisait le modem à l'époque. Bah, c'est une radio web également. Hein, donc exactement, exactement. Et toi, Jeanne, tu as cherché d'autres radios? Oui, bah, une qui est particulièrement connue à Caen, c'est Radio Phoenix. Je suis sûre que tu connais aussi. Non. Attends, je ne connais pas quand tu t'avures. Là, Rise like a Phoenix. Mais c'est pas ça, rien à voir. Radio Phoenix, c'est une radio qui est là depuis longtemps, qui existe depuis plus de 10 ans et qui a été mise en place par des étudiants. Voilà, ils ont eu des fonds de soutien radiophonique, des aides de la ville, et elle cartonne cette radio. Elle a reçu en 2015 d'ailleurs le prix On Air du Salon de la radio, dans la catégorie meilleure radio locale. D'accord. Donc voilà, c'est de la musique, des programmes aussi un peu. Et bien Radio Phoenix, qu'on trouve aussi évidemment sur 92.7. Ah, donc eux ils ont une fréquence FM. Ils ont une fréquence, et oui. Ah, eux ils ont réussi leur coup. Ils ont 4000 auditeurs par jour. Faut faire quelque chose, Timothy, là. Mais on n'arrête pas, on n'arrête pas. Hein.